Bonjour, bienvenue. Ça fonctionne. Capture le jeu. Ouais, on est bon. Ouais, bon, la capture est bonne. Pas de problème. Oui, la voix, ça va. Audible. On part sur une nouvelle run parce que bon, la run marteau là, c'est bon. C'était pour se mettre en jambes. Oui, mais. Pour comment dire se remettre dans le jeu parce que là ça faisait un peu à jouer. Non, on va faire une run un peu plus pour comment dire entraîner pour devenir plus fort. Une run de la stupidité absolue. Alors du coup on va commencer en fait évidemment j'ai envie de dire. Alors, prophète évidemment ça me paraît complètement. Qu'est-ce qu'on prend en truc de départ? Reine dorée toujours. Okay. Ah, jamais. Bon, non, de toute façon, la graine dorée est toujours bien. L'apparence, on va donner. C'est pas. Comment on va appeler ça? Ah, une roulette de feu, c'est sympa. J'aime bien, c'est le nom du stream. Training, c'est bien. Juste un. On est s'entraîner à faire des roulades. Parfaite et à bien comprendre le timing des roulades de tous les ennemis. Donc l'idée c'est de faire le jeu avec la roulade de feu. Et en France. Roulade de feu. Pardon, la roulade de feu c'est du coup la flamme pécheresse. Un sort dont le principe de base c'est quand même de s'auto-cramer. Il y a un côté quand même assez assez vénère à tout ça. Pas besoin. Pense qu'on aura besoin de l'autre truc tout à l'heure, donc demain. Enfin, c'est demain. On aura besoin de l'embrasement. Alors on va faire une seule entorse à dans tout ce truc. De dire on va faire tout le jeu avec la roulade de feu. Simplement en fait pour en 1.07 7 là, bref. Pour cette version du jeu, pour avoir accès à la flamme pécheresse rapidement. On rappelle que pour la flamme pécheresse, il faut aller récupérer le tableau dans la table ronde de Lindel. Donc c'est un peu chiant. Pour donc récupérer cette flamme pécheresse, il faut faire un bon voir. Avant, je pouvais le faire avec une simple téléportation. En faisant un peu guillemets corruption de mémoire. Là maintenant c'est plus complexe sur la version. Enfin, moi je trouve ça plus complexe et je trouve ça moins facile à faire sur PC en tout cas. Bah, je sais pas. En console ça a l'air d'être légèrement plus simple. PC c'est un enfer, j'arrive pas à trouver le bon timing pour un truc. En plus faut Alt F, hein, faut faire le jeu et tout. C'est un peu dinguerie. Du coup, nous voulons pas ça. On va. Enfin je vais décider. Utiliser une autre méthode. Cette méthode va consister à utiliser. Comment l'arme spéciale qui fait exploser et une arme et du coup cette arme c'est double lame pas loin là on va aller la chercher bon. On aura attends
Et donc, avec cette larme, avec cette double lame, si vous timez bien, quand vous allez prendre le coffre, comment ça s'appelle? Coffre piégé de Lingrave. Si vous prenez ce coffre-là, vous arrivez donc au feu du pont divin. C'est un feu qui peut vous mener du coup à la tour qui est au milieu de l'océan. D'avoir, donc je crois que c'est la rune de Mog. De Mogwin et la rune de Argit, si pas de conneries. Ou si je dois te dire une connerie. Bref, en tout cas, ça permet d'aller à une des tours. Et donc, dans l'idée, on va faire ça. On va aller à cette tour. Avec du coup, l'épée qui va bien. Avec la petite arme explosée. On va essayer de taper dans le vide, endroit précis. En ayant activé la larme avant. En ayant activé l'alarme juste avant de. Comment dire? Avant de tomber. Si le timing est parfait, l'alarme s'active. Vous explosez. Vous êtes knockback par l'explosion de la bonne façon. Et en fait, il y a un. J'ai pas tout à fait compris comment ça marche, mais a priori, de ce que j'en comprends. Ça se trouve, je dis cool de la merde et faudra me reprendre derrière. De ce que j'en comprends, enfin, ce que j'ai testé le truc plusieurs fois. A priori, quand vous êtes dans une animation pour vous relever, quand vous touchez le sol, et que quand vous touchez le sol dans cette animation de vous relever, vous ne tapez pas le sol avec les pieds en premier, alors le jeu ne considère pas que vous prenez les dégâts de chute et que vous êtes en fait en train de vous relever. Vous n'avez pas de dégâts de chute à prendre. Ça a l'air d'être ça. C'est-à-dire que le jeu a l'air de d'avoir une sorte de légère priorité sur le dégât de chute là. Enfin, je suis pas tout à fait convaincu de comment l'application j'ai. C'est ce que j'en comprends. Ça se trouve, c'est ça, c'est juste que enfin, j'ai pas trouvé d'autres explications. Mais donc l'idée c'est d'être d'exploser, de d'avoir du coup chuté à cause de l'explosion. Donc c'est des dégâts qui vont être vachement moins forts. Parce que si on le fait bien, on va l'explosion se fait à quelques centimètres de haut d'une plateforme qui est sur au niveau de l'escalier. Et bah du coup, bah, le but final de tout ce truc, c'est de pas mourir. L'idée, on aimerait ne pas mourir. Et donc, si on meurt pas, on arrive à l'ascenseur, on active l'ascenseur parce qu'on est tellement bête pour l'activer. On remonte, on redescend. À partir de là, on fonce en faisant attention aux ennemis. On fonce vers comment? Table ronde, telle. Et une fois qu'on a ça, bah, on peut avoir le tableau. Et une fois qu'on a le tableau, bah, de toute façon, on va aller chercher. Sort. Et donc, une fois qu'on a le sort, on est. Tiens. Je vais jouer. Ok, c'est on attend. À partir de là, on peut faire plein de trucs. Donc, c'est ça que je veux faire. Ça dégage. Donc, je vais mâcher les fioles miraculeuses et. Oh. Dans l'idée, ce sera pas mal. Mais voilà, donc dans l'idée, c'est ça. Il va nous falloir le sort. Après, le sort, il fonctionne de manière assez spéciale. Donc, vous activez le sort. C'est vrai que vous pouvez l'activer à deux niveaux. Niveau 1, c'est un niveau où vous prenez du dégât à vous-même. Vous faites du dot à vous-même. Du dot aux ennemis dans une dans le rayon d'une dague exactement rayon d'attaque d'une dague et ça signifie
Il dit qu'il faut être vachement proche de l'ennemi pour pouvoir l'attaquer. Les dégâts sont quasiment risibles. Pas au début du jeu, au début du jeu ça va être contre Margit. Il y a moyen de gagner contre Margit de façon guillemets légitime. D'accord. Faisable. Je l'attaque. Bref, juste très bon. En fait, le but de la run, c'est de vraiment faire des esquives dans machin. Et du coup, à force d'esquiver tous les boss parfaitement, à la fin, l'idée, c'est de vraiment bah, être très bon en esquive. Et du coup, dans tous les autres runs, bah, de plus avoir le problème de je sais pas esquiver quoi. Assez vite. Avoir besoin de Dectus. Pas sûr, mais dans pas longtemps. Table. Là, je me pose. Et alors, je suis pas sûr de ce que je dis. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'avantage réel à augmenter la foi et à augmenter le talisman qu'on va utiliser pour ce sort. On est lu et sur les wikis et de ce que j'ai vu, on le sort. Pas l'air très efficace. À part avoir la foi requise pour le lancer, j'ai peur d'avoir davantage genre réel à utiliser le sort. Enfin, avoir plus de foi que nécessaire. Même si du coup, le sort fonctionne d'une façon où, si vous avez une dague en main et que vous mettez un sort de flamme sur cette dague, comme les flammes des Godskin, comme les flammes la flamme du sang, ce genre de choses, en fait vous allez avoir l'effet de la flamme de sang ou de la flamme. Ou la flamme comment God, ouais enfin God, God kill. Comment dire, mais bref, vous avez l'effet des flammes que vous avez sur votre dague directement qui s'active sur votre aura, donc c'est un peu le seul moyen de buffer un peu le sort. Les autres buffs marchent pas parce qu'en fait, le problème c'est que le sort est un buff d'aura dans l'idée, donc. Dans l'idée, on pourrait peut-être utiliser le truc doré là. Bien sûr que ça fonctionne en réalité. Ce qu'on peut utiliser par contre, c'est le talisman du scan. Faisable. Et pas qu'il y ait d'autres trucs. On peut utiliser le. En gros, on peut utiliser une arme dans la main pour avoir un effet spécifique sur l'aura de flamme qu'on fait. Donc bon, on va gérer ça. Pareil, on va sûrement avoir besoin, on va avoir du besoin du talisman de Godric. Parce que ces talismans vont nous permettre. Un, d'avoir des charges de sort plus rapides. Et l'autre, d'avoir un sort chargé plus fort. Donc d'améliorer enfin, réellement, pour une fois, le sort principal et pas juste lui mettre un petit buff sur le gratos. C'est vraiment moyen de faire des trucs un peu intéressants. Par contre, ça va vraiment dire que sur les boss de fin, il va falloir, être béton sur les esquives. Comme je le suis pas, bah en fait, ça va surtout être l'occasion d'apprendre vraiment à devenir parfait et régulier sur toutes les esquives de tous les boss vraiment importants du jeu. Et comme ça, être prêt pour. Pour l'extension. Et non, je suis longtemps.
Après ça, faut qu'on aille du coup. Faut qu'on aille chercher l'autre l'arme. Il faut juste qu'on aille vaincre un arbre avec le petit sort d'embrasement. Un peu le. Notre seule option de le vaincre. Mais bon, ça fait que c'est quand même un sort de feu, donc on reste dans un build, dans la meilleure roulade. Hein. Ça va, c'est pas terrible. On pourrait aussi utiliser la flamme, enfin l'arme de feu. De l'arme de Khalid. Pas besoin de sortir. D'enlever torrent pour faire ça. En fait. Donc voilà, là l'idée ça va être de faire une petite run un peu sympa. Entraînement un peu à la dure. À toutes les esquives des boss quoi. Et du coup de devoir apprendre les phases de comment on esquive tel boss ou tel boss. Tel truc. On va bien voir. Ça va donner sur la fin. Après, y a quand même moyen de faire des trucs. Hein. Pas sûr de plein de choses. Moi, je pense que le Margit de Lindell, là, ça va pas être free. Mais y a moyen de le faire en vrai. Hein. Il va falloir que bah, je meure centaines de fois, j'imagine. D'être bon sur tous les timings et de réussir tous les. Là, l'idée c'est que vraiment on n'a pas de dégâts quoi. Enfin, on fait du dégât, mais on n'a pas des montagnes de dégâts. Et du coup, là, il faut être régulier, régulier, régulier. Mais l'avantage c'est qu'on n'a pas à attaquer réellement. En gros, on a juste à trouver le moyen de réappliquer les buffs. Une fois le combat lancé, c'est le seul truc qui est le chiant, c'est de trouver des fenêtres où on réapplique le buff. Et sinon, le reste du temps, on n'a pas à attaquer pendant les fenêtres d'attaque. C'est peut-être le seul angle mort du truc, mais déjà être capable de tout esquiver à peu près correctement, c'est ouais, c'est bien. Ça permet d'être quand même vachement bon sur le jeu. Donc, il y a juste les fenêtres d'attaque qui vont être. Non. S'améliorer. Bref. On va récupérer pour le passage les petits trucs qui font plaisir. Toujours bien d'avoir le truc dans la poche. Bon par contre Margit on va le faire mais il faut de la vie hein, parce que le problème du build c'est que en fait le sort vous crame la vie en fait, tout simplement crame votre vie bon c'est complexe en termes de gestion. Alors en vrai j'avoue j'aurais dû prendre l'autre truc de Dectus parce que du coup il y a quand même pas mal de graines d'or à les choper et peut-être un ou deux de plus c'est pas la pire idée qui soit. Hein. Je pense que je vais quand même aller. Et... Bon, je vais aller activer le feu. Feu de l'ascenseur. Non mais quel enfer. Définis-moi la carte là. Bon j'ai ma carte. Oup, oup, oup. Tranquille, tranquille. Et qu'est-ce que je disais du coup?
Ouais, je vais activer la sorte de Dectus. Calme. C'est vachement important et intéressant. Lui. À savoir une chose, il est impossible de vaincre Rennala dans cette run. Et quand je dis impossible, c'est impossible. C'est mécaniquement pas faisable. Pas d'un point de vue de personne n'a jamais eu le style de le faire, parce qu'en vrai, je pense que c'est faisable. C'est largement faisable en vrai. Le vrai problème, c'est que quand vous tapez, enfin, quand vous tuez les élèves de Rennala avec ce sort, ça ne compte pas. Juste, ça ne compte pas. Ce qui veut dire que vous ne pouvez jamais briser le bouclier de Rennala. Si vous ne pouvez pas briser le bouclier de Rennala, vous ne pouvez pas la toucher. Si vous ne pouvez pas la toucher, bah, il méca... enfin, bloqué quoi, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas vaincre Rennala, ça devient impossible, littéralement. Par là, non? Du coup, pas faisable, donc il faut vaincre Radahn de cette façon. Qui est faisable, non, franchement, ça va, ça va. Bon, il y a un peu de rage et un peu de problème. Surtout en phase 2, parce que la phase 2, c'est vraiment la pire. Et c'est faisable. Après, il faudra surtout que je trouve vraiment les moyens de buffer. Buffer de manière assez super, tout ça. Parce... tellement manqué de dégâts au bout d'un moment quoi. Déjà je pense utiliser le talisman on appelle ça c'est le foutu talisman de... pas le talisman le ah donc j'ai dans la main gauche là. Donc les trucs qui font les incantations. On appelle ça comme ça. On appelle ça. Donc il y en a un qui est spécialisé pour justement la magie des flammes noires là. Comme tueuse de dieu. Déjà utiliser ça pour justement améliorer le sort de flammes noires. Pas une mauvaise idée. On a une tonne d'abus aux incantations. Des flammes là donc. Il y a un coup à jouer. En vrai, j'ai pas envie de me. Faire par là, me taper. Hein. Mourir comme un con. Trop dans mon idée, tout ça. Oh, le crabe. On va prendre la petite clé en passant. On va aller chercher l'arbre qu'on a besoin. Oh, attendez-vous à un grand moment de gaming hein, parce que là ça va être incroyable, je vais le faire plein de fois. En faisant un truc qui a l'air impossible et puis à un moment donné ça va passer. Le pire c'est qu'en le testant ce glitch, là, comment j'ai passé bien 10 minutes comme un con à faire un truc en mode bah ça marche pas assez, blablabla machin. Et en fait, du coup à un moment j'y arrive, bon, j'arrive à faire le glitch, c'est cool. Waouh, je suis vivant, incroyable machin. Je monte l'ascenseur machin truc et derrière je vais pour le retenter en mode bon c'est marché une fois. Maintenant faut que j'essaie de voir un peu si... de le refaire. J'ai refait 5 ou 6 fois, mais sous genre, ce qui est passé, c'est que je l'ai fait une fois. J'ai remonté l'ascenseur, machin, j'ai retenté le glitch. Et ça repassait d'un coup. Là, j'étais en mode. Oh, c'est genre, si ça se trouve, j'ai déjà genre compris comment ça marche et c'est bon, je vais pouvoir arriver. Évidemment, non. Hein.
Quand vous tentez un glitch, vous n'allez pas le régler en 10 secondes. Ça n'est jamais arrivé. Enfin, dépendant du glitch, mais normalement ça n'arrive pas. Et du coup, évidemment, après s'en suivent 10 nouvelles minutes d'échecs dans en boucle. Parce que, bah, évidemment, c'est hyper dur. Mais ouais, donc c'est faisable, j'ai réussi à le faire plusieurs fois. Donc, quand on a le bon setup, quand on fait les choses correctement, normalement, ça passe. C'est juste qu'il y a quelques trucs, enfin, faut avoir le timing parfait et tout, donc. Chiant, un peu. Mais c'est faisable. Ah bah, si, hein. Ça veut dire qu'on peut faire la run, et en plus la run elle est quand même relativement cool, parce que ça veut dire que à un moment donné on tue genre les boss sans jamais les avoir attaqués. C'est vrai. Il y a un truc un peu genre run pacifiste, que j'aime beaucoup. Entre guillemets on a vaincu tout le monde mais on a jamais attaqué. Le vrai problème du combat de Margit par contre c'est que c'est des boss qui, peut-être contrairement aux boss de sous classique, au lieu de vouloir venir vers vous pour vous attaquer, Margit, vu qu'il a une portée gigantesque et des attaques à distance, il aime beaucoup. Il aime beaucoup faire des backdash super violents. Et surtout son arène est entourée de vide. Donc quand on fait un bon build roulade, de je roule, je roule, je roule, bah même si, des fois même si on n'a pas pris l'attaque de Margit, bah, on tombe dans le vide. Au bout d'un moment, on a un peu trop envie d'esquiver, du coup on se bouge attaque, du coup on meurt. Bref. Il y a un peu d'enfer du truc. Alors, il va falloir. Forgive me. To determine if you seems torrent, whereas I may there is, but I can take gathering place. Very let my hand. Oui, c'est vrai qu'il faut faire. Allez, on se dépêche. Alors, je vais le faire là, puis je vais me téléporter derrière. Donc, il faut améliorer les fioles. Bon. On va vaincre l'arbre. Faire l'arbre qui nous la map. Non, c'est la peine dessus. Oui, ping ping. Pas d'ingrès. Bref, son. Non, il me faut plus de mana. Max, fallait que je fasse aussi. Non, je veux pas améliorer, je voudrais pas. Tac. Ah oui, c'est pour ça que je voulais qu'elle soit. Soit utilisable sur le canasson. On va quand même se rendre ce combat-là facile. Hein. Et tout le reste du jeu, ça va être. Être l'enfer sur terre, donc. Encore facile. Merde. Là on tourne. Là on fait attention. Ça va passer. Ça va se passer.
Ah non, ça one shot. Dommage. Faudrait que je fasse une option pour que ça ne s'éteigne jamais. Je la trouve. Sinon je perds pas mal de tracking. De données peu importantes. Je n'ai qu'un seul écran. On s'attaque. Voilà. Ah donc l'alarme de cristal fissuré. C'est ça qu'il nous fallait. 1000 âmes. On prend. Aucun problème. Alors. Déjà, c'est combien de level de foi qu'il faut? Y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, je vais juste vérifier deux secondes. Je crois que c'est 20 ou 25. Vérifions tout. Pas le level de vie. Alors, level en life là. Sinon. C'est par simple fait que le sort en fait. De toute façon, vider ma vie. Quasiment aussi vite que le boss. Alors. Hop. Non, 19. Bon, allez, on peut les prendre 19. 9, tranquille. On va avoir ce problème là derrière. Ah, ça va être de la vie. Alors, on en a besoin. Simplement. Oui, il faut que je change ma fiole. Et... le truc qui est là aussi. Pas besoin de place de sort. Non, en fait. Pardon. Bien. Besoin d'emplacement de sort de randonnée. Donc allons-y. Hein. Bon ça j'ai pas vérifié combien d'âmes. Les ai sur level de plus. Là chaque PV va compter. 1200, je crois.
rien en fait. Ça te fait compter mais... Oh la 1003. Level de plus. Ça fera pas de mal. Bon allez. Là on a besoin de truc à P double là parce que pour une raison je sais pas, enfin en tout cas il y a a priori pile le temps qu'il faut l'attaque de Storm, c'est pile le temps qu'il va nous falloir pour enfin, pile le bon timing pour déclencher le ouais. Tellement précis hein. Incroyable. La lame d'eau. Pas besoin de pouvoir la... Tiens, faut juste... attaquer avec. Dans du moveset. Ah ouais, faut... Et par là. Bref, bon, c'est le début de run. Parce que là, je me suis batté une série de trucs super bon là. Bon, je suis un peu plus dans les baïgos, muscu. Vas-y. On repart un peu dans ce lore. Et j'ai vu une série, un truc avec un petit terre avec des capsules d'heure. Sur Disney Plus. Un truc avec Chris Hemsworth qui s'appelle genre Less. Non. Et j'étais passé dans l'idée de ouais bon ça va. Lorsqu'il qui fait des défis physiques. Ça se trouve un peu intense, ça se trouve un peu lame, on sait pas, machin, mais en fait, ça peut pas regarder quoi. Autant. Donc au début, effectivement, c'est quelque chose qui réalise des trucs un peu vénère et tout machin. Et bon, le ton de l'émission a l'air bien, il y a des spécialistes qui disent des trucs. Voilà, on apprend des trucs sur le corps humain, ce genre de choses. Et en fait l'angle du truc je l'avais pas dès le début. Parce que l'angle du truc c'est pas genre ouais faut se dépasser, faut être plus fort, faut être machin, qui aurait été l'angle classique de ce genre d'émission. Voilà. D'avoir un angle comme ça. Non l'angle était plus dans un truc en mode comme ça. Ah je sais plus parler. Vraiment longévité, comment on va vaincre la sénescence, on va vaincre anciennement la mort, ou en tout cas la repousser le plus possible. Et du coup, c'est beaucoup plus un espèce de docu en mode il faut faire tel truc et tel truc et tel truc pour arriver à 80 ans et en étant en pleine forme, en tout le monde. Déjà. Quel moment t'as vraiment plus aucun problème dans ta vie de dire que t'as vraiment besoin d'être en très bonne santé à 80. Dire il y a quand même pas mal de prolos ils sont en mode ouais 80 ans si je les atteins je suis content en fait. Genre mort à 70 à cause des multiples maladies liées à mon travail je suis bien content. Donc bon déjà il y a un côté un peu
comme ça, même si je peux comprendre l'idée. Hein. Je suis vrai, pas contre vivre vieux et bien. Hein. On dit tout le monde devrait vivre vieux et bien. Hein. Problème là-dessus. Problème, il est pas là. Problème, il est vraiment. Il y a un côté clairement déjà ce que fait Chris Hemsworth dans cette série. C'est un truc que tous les gens qui ont du temps, de l'argent et qui n'ont pas trop de problèmes font pas tous parce que bah en fait c'est grave contraignant tout de même comme truc. Et ouais il y a vraiment un côté un peu il y a un peu de violence de classe quoi. Quand t'en es arrivé là dans ta vie à te demander ce genre de choses, t'as plus trop les problèmes un peu normaux normaux de ta vie quoi. Ouais bon. Et évidemment que ces gens-là n'ont plus les problèmes normaux de la vie. Par le stress a priori, c'est le seul truc qui a priori lie tout le monde. À peu près. Après, pas convaincu que nos générations, même les gens les plus fortunés, vont vivre jusqu'à 80 ans et pour 90, 100 ans sans aucun problème. À un moment donné, le backlash on se prend du climat va être largement suffisant pour nous foutre dans la sauce quoi. Peut-être arrêter de se bercer d'illusions là-dessus et se dire que ça va aller, on va trouver des solutions et. Ou en fait le climat c'est pas le vrai problème, mais le vrai problème c'est. Non mais il faut qu'à 90 ans je puisse jouer à mes petits enfants au rugby comme si j'en avais 20. Pas tout à fait. Ça fait tout à fait ça. Après j'ai plutôt bien aimé le dernier épisode. C'est un peu plus en mode. Non mais en fait faut juste accepter que on vieillit, en fait c'est tout. C'est comme ça donc faire. On est les gens vieillissent. C'est comme ça. Et du coup faut plutôt que d'essayer de vaincre un truc sur lequel tu n'as pas d'emprise. Et que tu ne peux pas vaincre. Personne ne peut vaincre le temps, c'est pas possible. Bah. Vous voulez me sortir le truc en mode oui mais thérapie génique on augmente les télomères blablabla machin ouais mais alors du coup tu deviens peut-être en partie immortel mais peut-être que tu vas déclencher 2-3 autres trucs pas ouf qui vont arriver derrière ou t'en sais rien enfin pour l'instant on va pas trop s'avancer sur des technologies qu'on maîtrise à peine. Mais oui, a priori, tout ce qui va être thérapie sur les télomères, il y a quand même moyen que ce soit. Je veux bien l'entendre. C'est bon, je veux bien entendre ça, il n'y a pas de problème. Oui, faire du sport, c'est très bien, j'en fais moi aussi. Là-dessus. D'ailleurs, je me suis bien reconnu dans ce truc de. Il y a un épisode où son pote Ross, là, qui. Un giga sportif du futur est en mode non mais en fait très fort c'est très très bien mais l'endurance passe comment l'endurance et là t'as fait ce sort qui est en mode comment dire j'aime pas trop ça là, je suis en mode ouais j'avoue faudrait aussi que je... j'avoue ça me pousse un peu à me dire peut-être qu'à un moment donné je vais genre reprendre de la course ou mettre à l'escalade ou tout dans le genre, enfin essayer de faire des trucs un peu plus intéressants avec mon la masse que je me trimballe aujourd'hui, j'ai pu faire de l'escalade comme je le faisais avant, c'est pas certain, un peu plus compliqué. Puis après ça me porterait les épaules, voilà. Manque d'épaules. En vrai si ça peut me faire travailler les épaules et en prime me filer un peu plus de cardio, why not hein. En vrai. Il y a la natation aussi qui peut être pas mal. La natation c'est bien pour le cardio, c'est bien pour un truc. Après j'ai plus de mal avec la natation. Enfin, j'ai aussi plus de mal parce que les horaires. Un peu comme les horaires. Plein de trucs.
Pardon. Les piscines, c'est un peu l'enfer. Regardez, pourquoi pas. Le vélo, c'est vachement bien. Après, escalade, il y a peut-être moyen de faire ça avec des potes et tout. Vélo aussi, ou... Au pire, avoir genre le vélo comme mode de déplacement, ça c'est bon. Même juste la marche. Même si le vélo, c'est mieux pour... cardio. Après, escalade, il y a moyen de se faire ça avec le cœur et tout. C'est pas. Mais c'est là qu'il faut que je me mette un peu plus à faire de l'endurance, car j'ai pas besoin de l'émission pour entendre dire, mais ça aide un peu, quoi. Donc, ouais, c'est vrai qu'on le vélo, c'est bien. Mais... Bien respirer, c'est pas mal aussi, hein. Dans l'idée. Il y a un truc sympa dans le fait de respirer. D'avoir un cardio pas éclaté. C'est comme quand tu vois, alors je sais plus comment elle s'appelle, il y a une mamie. Truc. Et genre, elle est complètement overpower. C'est vraiment la mamie, elle nous fout tous à l'amende, elle a fait 9 marathons et tout. Genre, de dingue. Elle a une forme olympique. T'es là en mode waouh. Et couche tout le monde, quoi. Genre. Beaucoup trop de puissance pour un seul être humain. Et la loterie des gènes, il y en a qui ont gagné vachement plus que d'autres. Même. Ah, il n'y a pas que ça, il y a aussi. Et blablabla. Je sais, moi aussi je travaille beaucoup. Pour me développer, coucher, pour mettre. Voilà, genre. Termine tout le monde. C'est dingue. T'es là, t'es. Ouais, j'ai même pas la trentaine à faire un marathon à l'enfer. Elle en a fait 9, elle avait genre 70 ans et quelques. Une dinguerie. Alors. On arrive au moment. Casse-pied. Alors, on a le bon truc, on a le bon truc. L'idée, c'est qu'il faut boire la fiole, se mettre à tomber, aller vers le coin là, et là, taper au bon moment, et avec de la chance, on n'est pas mort à la fin. Allons-y. Et ça. Raté. On va rater plein de fois, enfin, je vais rater plein de fois. Mais à un moment donné, ça va passer. À un moment donné, ça passe. Je vous jure, c'est. Je vous jure, monsieur le juge. Un jour ou l'autre, ça va passer. On est parti pour une séquence de 10-20 minutes. Hein. Donc on va parler d'autre chose quand même, mais. Et voilà, donc a priori, ça c'est. Voilà, ça c'est l'idée. Et à un moment donné, ça va marcher. À un moment donné, ça va fonctionner. Mais alors. C'est tendu. Hein. Dur à faire. Ah bah là j'ai complètement pas pris la fiole en fait, donc là ça servait à rien. J'ai voulu commencer à prendre la fiole et à bouger, mais pas trop vite. Faut attendre que le coude arrive et je vais me démerder, ça va le faire. Dans l'idée, faut attendre que le coude de personnage atteigne certains angles, commencer à tomber. Enfin, bref, le timing c'est l'enfer. Dommage. Bon bref, ça va, voilà, ça va être ça la séquence là pendant 10 minutes. Mais là on n'était pas loin, en vrai on n'était pas loin. C'est juste que l'animation s'est pas fait comme il fallait, donc en fait il faut soit arriver sur le ventre, soit arriver sur le dos.
Et pas sur la petite palissade parce que là c'est mort automatique. Mais si on arrive à un endroit où, sur le dos ou sur le ventre, sans trop de soucis, normalement on vit parce que comme vous l'avez, enfin comme on a pu le voir là, la potion ne tue pas. On a assez de PV pour l'encaisser. Ah bah là par contre, bah voilà, par exemple, là j'ai pas eu l'animation que je voulais. C'est que je suis tombé les deux pieds comme ça et que je... Ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. Faut l'accepter. À un moment donné, le timing sera bon et ça passera. Et là, la run commence pour de vrai. Enfin. Genre 1h30 de live. Désolé. Vraiment pas efficace, hein, les trucs. Alors. Je suis trop loin. Pas mal. Et merde. Pas tombé. Pas tombé du tout. Après voilà, donc la mamie elle a fait 9 marathons. Après, il y a plein de gens qui veulent pas faire de marathon. Il y a plein de gens qui font des trucs. C'est ça, hein. Chacun son truc. Moi j'aime bien faire du sport et faire des jeux vidéo et faire des machins, des trucs. Bon, chacun son truc. Hein. Il y en a qui. Juste exceller certaines choses et puis très très bien comme ça. Hein. Mince. Pas besoin d'être parfait absolument partout. C'est aussi un des messages que je trouve pas ouf. Enfin, c'est pas ouf, mais c'est plus un message entre guillemets implicite du truc, c'est que il faut faire tout ce qui est dit quoi. Genre se prendre des bains super glacés, machin. Faire du gigasona, bon jusque là ça c'est pas trop mal, mais voilà, faire enfin monter 30 mètres de corde, enfin être capable de monter 30 mètres de corde comme ça, tu vois, à un moment donné il y a de l'abus, il y a de l'abus clairement. Ah, j'étais pas loin. Et parce que là par exemple, là si je tombe sur le dos je meurs pas. Ou sur le ventre. L'idée c'est qu'avec le moveset de l'arme, on est censé pouvoir toucher l'endroit qu'on veut. Ça va passer à un moment donné, ça va passer, ça va. Donc moi je pense que je vais refaire un marathon. Pense que techniquement, bon. Avec un entraînement, plusieurs mois, c'est faisable, mais... Ah, j'y suis presque là. J'ai presque le timing, il y a un truc qui est... Enfin, un truc qui est pas bon, mais... Faut dire quoi, à un moment donné, je vais y arriver. Moi, je fais partie des gens qui ne sont pas le choix de faire du sport. Pas le choix de faire du sport. J'arrête trop longtemps. Mes maladies vont reprendre du poil de la bête. Donc, je peux pas permettre ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas un besoin. Ah, là, il y avait un truc. Là, il y avait un truc. J'ai dû taper trop tard. J'ai tapé quelques millisecondes trop tard. Ouais, alors moi j'ai pas tant le choix que ça de faire du sport au final. Donc bon, chacun voit comme il veut. Il y a un problème, c'est l'enseignement sportif. À l'école, c'est pas fait comme il faudrait en fait. Un des très nombreux problèmes de l'école, hein. D'accord. J'y suis presque. Un des nombreux problèmes de l'école, évidemment, mais j'avoue que là, l'enseignement sportif, ça fait partie. Ça donne vraiment pas envie, hein. C'est si vous n'êtes pas déjà bon en sport, hein, de toute façon, je pense.
C'est juste l'enfer sur Terre. Genre même les gens qui étaient pas comme moi, être là en mode bon, il y a sport, je vais juste me torturer pendant 2 heures. Et pas non plus en mode ouais, c'est trop bien, on a sport quoi. Parce que là, ma hitbox est pas bonne quand je tombe. En fait, il y a un truc qui va pas. Mais tu vois, je suis pas dans la bonne animation. Pas comme il faut. Ça va passer au bout d'un moment. J'avoue, si j'avais un setup, peut-être pas le bon setup. Bon. On verra bien. Oh là, je vais faire ça pendant 1 heure, ça passera jamais alors que j'ai déjà réussi à le passer. Ça va m'énerver. Normalement, un pied dans le vide. Ah. Le coude qui arrive là, on tombe. Au deuxième, on tape. Ça marche pas. Donc l'idée c'est de, à la deuxième crête, enfin quand vous partez du bas, quand vous partez depuis le bas, il y a plusieurs blocs de statues là. C'est au deuxième en partant du bas qu'il faut taper en théorie, dans l'idée. Et avec le bon timing, vous êtes censé pouvoir survivre à la chute. Et voilà. Ouais, voilà, genre on a tous un rapport différent au sport, même si je pense que sport, à l'école le rapport est pareil pour à peu près tout le monde. C'est l'enfer. Ah, j'étais juste pas du tout assez proche. Pas du tout assez proche du mur, donc ça pouvait pas marcher. Et l'explosion m'a rien fait d'ailleurs et tout. Trop bizarre. Là j'ai réussi à cancel l'animation de l'explosion. J'ai dû le faire vraiment trop tard. Pas grave. Pas grave, à un moment donné ça va passer. Trop tard. Ouais. Tombé trop tard. Alors en théorie c'est à cet étage là qu'il va falloir faire le truc pour tomber sur cette petite rambarde. Et en tombant sur la rambarde, normalement il reste plus qu'à tomber à côté et puis c'est bon, on est pas mort. On va voir si je réussis, si je réussis pas. Je sais pas, on fera autre chose, on arrêtera le dernier. De bon. Pas intéressé grand monde. Le Monster Sanctuary là récemment et puis j'ai envie de faire un petit peu de End of Fate et peut-être... des Dynasty Warriors ou des conneries dans le genre, je sais pas trop. Dommage. Ouais, donc on verra. Là, j'ai surtout envie d'améliorer un peu pour l'extension qui va arriver. D'avoir des bases solides. Pas trop mal. Juste pas y arriver hein. C'est la blague. Ah là j'y arrive plus. Pas mal, ça saoule pas mal. Bon, au pire, là, je me donne jusqu'à 16h, 16h20. Oh. Ça marche pas. On... J'ai un peu. Poser ce contenu-là. Beaucoup trop tard. Ouais, pour le coup, moi, toute cette question du sport m'intéresse beaucoup parce que. Bon, je suis obligé de le faire et j'ai pas le choix. Pour le coup, moi j'ai choisi de faire du renforcement musculaire, de la musculation, d'essayer un peu d'aller dans un trip après
Plus, vas-y, on va soulever des poids lourds histoire de. Je sais pas, trouver un sens au fait de faire de son. D'être obligé de faire la musculation toute la vie, quoi qu'il arrive. Bon, que ça serve à quelque chose. Oh! Dommage. Du coup. Ouais, ce genre de délire là, moi je. Bon. J'apprécie de moins en moins d'aller aller en salle de musculation. Pour un tas de raisons. Notamment le fait que. Bon, la salle à laquelle j'allais, les horaires étaient à la con. Là, j'ai pas trop la foudre. Une salle un peu plus. Plus standing, un peu plus sympa. Investir dans des bons poids pour la maison. Il y a un truc qui va pas là. Le setup a l'air bon. Pourquoi j'arrive pas du tout? Et toujours là le grand débat. Aller dans une bonne salle de musculation ou avoir un bon matos chez soi. C'est quoi le mieux? Ça plus je pense je 1 2 3 ça plus je penche pour le matos chez soi. La salle, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir des gens, tu peux avoir des coachs. Après, au bout d'un moment, quand tu connais déjà bien, est-ce que tu as besoin, non, est-ce que tu as besoin d'avoir un coach derrière toi tout le temps? Un peu chiant, quoi. Surtout là, j'en suis à un point où plus ça va, plus les coachs me disent ouais, bah en fait, tu. Bien, j'ai un à prendre. Bon, faut. Le seul truc sur lequel il faut que je m'améliore vraiment, c'est la nutrition et deux, trois autres trucs. Sinon, en général, ouais, je suis relativement bien comment ça fonctionne. L'anatomie aussi, il faut que j'apprenne un peu plus. Faut que j'arrive à mieux mémoriser. Là, j'arrive plus du tout. Okay. Que j'apprenne un peu plus. Faire sens. Un peu plus efficace dans tout ça et bon voilà je passe après John rigide à peu près c'est globalement voilà genre je sais où sont prêts les instruments enfin les instruments des muscles machin et tout bah, je sais pas exactement au centimètre près j'ai pas le nom exact scientifique de tous les trucs. Donc oui, peut s'améliorer. Ouais. Pas être bon partout. Faire beaucoup de trucs en même temps. Évidemment, on va sacrifier être le meilleur. Enfin, moi, j'ai pas pour vocation de devenir coach. Moi j'arrive même plus à toucher le. Oh là, y a un truc qui va pas. Plus je fais mal. Un mauvais truc. Oh, je vais pas y arriver. Comment pas y arriver aujourd'hui. Dommage, j'étais de bonne humeur. Toute bonne humeur aujourd'hui. Il veut pas, hein. Pas rentrer, ça veut pas rentrer. Ouais. Bon, on en revient au truc d'avant. Ok, c'est pas grave. Ah, le timing est redoutable. Redoutable sur ce truc-là, ça donne zéro. Ouais, pareil. Genre. Même un truc que je trouve drôle, c'est que. Genre en fait quand vous faites de la n'importe quel sport genre les gens qui pratiquent beaucoup ce sport tu peuvent te parler pendant des heures de tel exo à la con parce que c'est bon pour tel truc et machin et les gens le font pas bien machin ou comprennent pas certains trucs en fait je tape trop tôt d'accord je vais essayer de taper un peu plus tard ça marche
Et les trucs comme ça, machin, c'est toujours pas drôle. Il y a vraiment un côté super érudit du truc, très nerd au final. Drôle. Je me rappelle de plein de moments où t'es en salle de muscu et tout, machin, tu fais tes trucs. Et à un moment donné, on va se prendre 10 minutes à quatre connards au milieu de la salle. En étant un peu en mode nerd sur un truc spécifique Non mais, je te jure. Celle-là est mieux, machin, ou je sais pas quoi, ou truc. Une théorie à la con, machin, puis l'autre une autre théorie. On débat, puis machin et tout. T'es là un peu en mode, ouah, on dirait vraiment. Vraiment les profs. Ou même les élèves. Plein d'autres élèves. D'autres disciplines scientifiques sont vraiment en mode non mais j'ai raison parce que il y a le temps finira par qui avait plus raison que l'autre, mais le pire c'est les contenus go muscu où genre tout le monde sait mieux que tout le monde comment il faut faire cet exercice et quelle est cette erreur de la con machin, et même les gens qui sont en mode non, mais il faut arrêter de faire des vidéos, vous faites mal cet exo, je sais pas quoi, conneries. Un bonheur, un bonheur, un bonheur, parce que du coup derrière lui va quand même te faire des vidéos en mode non mais c'est comme ça qu'il faut bien faire l'exo parce que les autres vous disent n'importe quoi. Le trope de je vois beaucoup trop ça en salle de musculation, un exercice qui ne sert absolument à rien, blablabla machin. Là t'as un autre gomussu, non mais attends, d'après ces études là, d'il y a 4-5 ans, peut-être en randomisé double blablabla, machin ce que tu veux, en fait cet exo il est vachement bien et tout. À un moment donné, t'es en mode, mais quand est-ce qu'ils poussent de la fonte en fait? Sinon, ils sont en train de. D'écumer les sites. Des revues de publications scientifiques pour la gueule à coups d'articles. C'est. Un peu n'importe quoi. Au final, il y a quand même un truc qu'il faut rappeler, c'est que de toute façon, les morphologies sont tous sont relativement différentes. Il y a plein de choses qui vont faire que l'exo sera mieux adapté que l'autre ou je sais pas quoi. C'est relativement individuel ce truc-là, tu peux pas avoir. À part certains trucs qui sont genre vraiment la base de la base. Ah dommage. Enfin on peut. Les grandes généralités, c'est pas tout le truc à faire. Le pire c'est quand ça tombe, quand c'est des vidéos qui tombent sur des grands champions, des grandes championnes. Vraiment c'est des gens, c'est des monstres absolus. Y a rien à leur dire. Tu vois, genre, clairement, s'ils en sont là, c'est qu'ils ont trouvé la méthode qui fonctionne pour eux en tout cas, quoi qu'il arrive. Genre vraiment tu. Les gens qui sont en mode. Non mais. Il fait vraiment très mal l'exo. Du monde, genre. Laisse-le tranquille. C'est le champion de la championne du monde, genre. Calme, chill. Chill, frère. C'est bon, tu peux peut-être te calmer 2 secondes. Pas besoin. Être aussi virulent, là. Aussi vénère avec la personne. Mais bon. Et ça, c'est le truc d'ego muscu. Moi, je pense que le pire, c'est les vidéos qui me fument le plus. Vraiment, ça me fume. Les vidéos, non, mais ne faites plus les pompes de cette façon, c'est une mauvaise façon de faire des pompes. Si vous le faites, vous allez mourir. Paf. Ah, ça, je vais mourir, mais tranquille, je fais des pompes. Peut-être je vais me blesser à l'épaule ou au coude, tu vois, genre, c'est bon, je peux pas en mourir. Dans le pire des cas, je veux dire, genre, je me blesse à l'épaule. C'est bon. Dommage, je vais pas mourir. C'est genre, tranquille. Et puis en plus, à la fin, c'est souvent pour expliquer en fait, c'est genre, non, mais pour un écartement des bras qui est exactement comme ça, ou je sais pas quoi, ou truc, ou connerie, enfin. Encore une fois, genre les pompes, il y a plein de variantes. En fait, la variante qui est utile pour les muscles que vous voulez travailler. Juste qu'à un moment donné, au lieu de faire un truc putaclic, super vénère comme ça, machin. Juste dire bon là on va voir un peu genre les différents types de pompes et le quel type utiliser, quel objectif.
Parce que, bah, étant donné, pompe diamant n'est pas pareil que pompe écartée, n'est pas pareil que pompe surélevée écartée, que voilà, enfin, plein de trucs, ou que pompe en poirier, machin. Expliquer à quel muscle ça fait travailler le plus, machin, qu'est-ce qu'il faut solliciter, ou avec dans quelle séance faut plutôt le mettre, avec quel exo pas trop le mettre, parce que sinon tu vas surentraîner certains muscles, et là tu as des risques de blessures, genre de choses. Mais faut. Pas genre mettre directement dans la tête de quelques débutants, voire même milliers de débutants des fois, centaines de milliers, que non mais attends, faire cet exo de cette façon là c'est vraiment la pire façon, au risque la mort, ou je sais pas quoi, une connerie, non. Non, non, il faut expliquer les choses clairement, tranquille, on va pas, c'est pas le truc, on peut gérer. Je crois que enfin moi ce qui me bute c'est les pompes, mais le qui a produit des effets qui étaient vraiment délétères, c'est vraiment sur les squats. C'est-à-dire que tout le monde est en mode, enfin tout le monde, une grande partie de la communauté muscu est dans l'idée que genre le squat c'est, il y a une méthode pour faire, enfin il y a un squat et c'est marre, et après ça n'existe plus les autres squats, tout autre de squat n'existe pas. Y a aucune autre façon de faire des squats. Tout en oubliant que la variante qu'on vous apprend quand vous faites de la musculation des squats n'est qu'une variante. En gros, je fais un plan. La variante qu'on vous apprend, en fait, faut savoir qu'en fait, vous faites de la musculation pour déclencher de l'hypertrophie musculaire. En fait, c'est une des rentes les plus dures, qui met le plus de stress et de tension sur votre corps et sur les muscles qu'on veut, parce que bah justement l'idée c'est de créer un stress qui fait qu'on va avoir une réponse qui va permettre une hypertrophie musculaire. Sauf que bah du coup il y a d'autres disciplines où c'est pas le but. Les disciplines où le but c'est justement de faire pas le mouvement parfait du squat de musculation. Ça va être beaucoup plus d'essayer de soulever le plus de poids possible. Et donc du coup, dans cette optique-là, la forme n'est pas tout à fait la même. Et pareil, si vous n'avez pas le dos tout à fait comme il faut, dans les normes, ou des particularités anatomiques qui font que vous ne pouvez pas faire le squat de la façon dont est décrit, par tous les grands coachs du monde, globalement. Mais en fait, vous pourrez pas le. Enfin, si vous n'êtes pas d'anatomie moyenne, c'est pas faisable en fait. Enfin, vous faites pas de la même façon. Alors qu'on a quand même des exemples qui sont assez parlants de gens qui ont des légers déformations anatomiques, voire assez vénères, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau d'autres choses. Ils font des squats pas forcément de la même façon, mais qui soulèvent tout pour que tout le monde. Ou qui font des soulevés de terre qui sont pas tout à fait, de toute façon tout à fait de la forme qu'on voudrait, ou je sais pas quoi, mais bah, marche l'idée. Donc si vous allez pas dire à des gens qui ont clairement prouvé qu'ils étaient meilleurs que 95% des autres pratiquants, je parle des pratiquants, pas des gens en général, ils font mal les choses, hein. Donné, c'est compliqué de arriver là. Après, oui, il y a toujours, tu peux arriver pro et faire des choses mauvaises, ou donner des mauvais conseils, ou je sais pas quoi, mais voilà quoi. Maintenant, on sait que par exemple, pas mal des entraînements de Arnold Schwarzenegger, bon, c'était pas ouf, ouf, quoi. Genre, c'est passé parce qu'il avait une génétique de curieux, c'est passé parce que. Truc. Chance, parce que hein, mais les choses qu'il faisait qui n'étaient pas forcément optimales, qui augmentaient comme pas mal le risque, je sais pas quoi. Du coup, on fait plus comme ça aujourd'hui parce que, bah, calmos, hein, on a vraiment envie de limiter les risques, et en plus, on a des méthodes légèrement plus efficaces. Donc, on peut pas juste appliquer ce que faisait Stallone. D'autant plus que lui a une. Fait partie des gens qui ont une génétique particulièrement clémente.
Je vais pas y arriver en fait. Juste pas y arriver aujourd'hui, ça va me saouler. Je dis particulièrement clémente. Du coup, on peut accepter. Enfin. On peut voir que ça a fonctionné pour lui. Alors. Combien de gens ont appliqué ses conseils, en fait, ça marchait pas. Non, ça marchait pas, ou en tout cas, ils se sont blessés, ou des choses comme ça. Faut faire attention. Aussi de qui donne les conseils. De choses. Parce que, ouais, enfin. Il y a quand même ce côté, genre, des anatomies et puis des parcours. Des parcours sportifs très différents, c'est-à-dire que tu peux pas t'entraîner de la même façon, entre guillemets. Quand tu n'as vraiment eu un parcours, quand tu as eu un parcours sportif vraiment on va dire faible, peu présent, avec même pas trop de PS, ce machin. Contrairement à quelqu'un qui a fait le genre de l'athlétisme toute sa vie, ou pas quoi, ou n'importe quoi. L'entraînement est pas le même. Un peu. Peut-être autre chose. Soit. Le pire, c'est que je l'ai réussi plusieurs fois, donc j'en ai marre. C'est vraiment un truc. Rat. Auto, là, je pense. Ouais. Là, je le fais en boucle, ça sert à rien. Je suis en train de faire. J'ai un peu. Mais ouais, ouais, du coup, faut voir pour plein de choses. Voilà, faut tester plein d'exercices, faut tester plein de méthodes, plein de. Trouver la méthode qui vous va bien. Ne pas hésiter à s'informer aussi hein, sur où on est, l'état de l'art, de pas mal de choses. Non, mais j'ai pas le bon timing. Hein. Ça viendra, ça ne viendra plus. Oh, ça me saoule. C'est bon. J'en ai marre. Limite à me dire que le Alt F4 là, il tente. Le timing est moins violent, mais. Jure que j'ai réussi. Je comprends pas. J'y arrivais. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'y arrive plus. Je suis allé voir. Un truc. Ça se trouve, j'ai complètement oublié une partie du setup. C'est dans le vide. La flasque. Haute. Laisse le corps. Là. Vraiment plus bas en fait. Hop. Taper légèrement plus bas en fait. Merci. Et ok. Ouais, pour le coup, le nombre de gens qui sont vraiment en mode. Regarde un peu comment je choisis s'entraîner. J'ai peur un peu aujourd'hui.
Quelqu'un qui s'entraîne comme ça, je pense que du genre direct, tu lui dis, gars, on part. Hein. Vivant. On est vivant. C'est bon. C'est passé. T'auras mis 1000 ans. 1000 ans de souffrance. Mais c'est bon. Oh. Oh là là, incroyable. Quel enfer. C'était si long. Et j'ai vraiment cru que j'allais abandonner. Bon voilà, ça c'est le côté un peu libéral de la journée de ma chrono. Allez vas-y, faut pour rien abandonner, faut y aller, c'est bon ça. Au moment ça marche. Faut juste persister suffisamment longtemps et puis ça fait. Ah mais non, faut pas que je le mette là. Pas de ma bague. Là le problème. Normalement. C'est pas mal. On devrait récupérer notre toile. Et être bon. Ça aura mis genre, juste mis 1000 ans quoi. Récupérer ça au passage parce que j'aime bien l'armure. Et que je mérite après tout. France. Je sais plus où est. Léger par là, non, hein, récupère des trucs, hein. Fais chier. On les utilisera pas, hein. De l'autre côté c'est bon, là on a mis demi-heure à réussir à ouvrir le truc, tomber sans mourir, c'est bon, on peut. Non, j'avais dit de la merde, faut taper beaucoup plus tard en fait. Faut vraiment taper plus tard. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était deux espaces, alors c'était un. C'est comme ça. Est-ce que oui, si, mais du coup il nous faut des cactus. Oui. Aïe, parce que si je veux récupérer. Si je veux récupérer la map à un moment donné, enfin le sort, faut que je sois sur le total altus. Donc oui, il me faut absolument des ondes d'éclus. Absolue nécessité. En tout cas, voilà. On a réussi. Non sans mal, mais on a réussi. La dinguerie. Dinguerie. On va y arriver, c'est bon. J'aimerais bien au moins vaincre Margit. Peut-être Godric avant de clore le live. Avant de dire bon voilà, on l'a fait. C'est bon. Ça, j'ai oublié de prendre le talisman là aussi. Régène les PV le temps. Parce que l'un des gros problèmes du sort. C'est que bah du coup notre vie va cramer. Même si on arrive à avoir pas mal de vie. Regarde, on arrive à avoir 22-25. Le souci qui va se poser très très vite. C'est que bah de toute façon la vie part. Et au moindre coup qu'on prend un peu vénère, on est mort.
Donc il faut... Il va falloir bien gérer les fioles là. Alors que... On n'a plus d'attaque par contre. Ça va être... Point clé. Ah bah c'est pas trop tôt n'empêche. Hein. La violence. Parce que du coup il faudra qu'on fasse un saut au mont Gelmir aussi pour récupérer le talisman du... Si on a besoin, pas tout de suite parce que c'est intéressant et fort, mais en vrai, plus tard ce sera vraiment fort. Donc, là, super. Okay, en passant par là, il y a peut-être une dame et les trucs. Là, on s'en fout de Radagon de toute façon, on n'a pas besoin. D'accord, en théorie, si je mets le chapeau, je charge moyenne. Ah non. Ah non. Prochain déjà. Oubliez celui. Enfin, j'aime bien la tenue. Sympa. Prendre le mélange. On va repartir. Chercher le sort. J'avais plein de fioles. C'est vachement bien. On était mes marites. Enfin. Genre 2 heures de là. Jordan. Voilà. Du coup on a pris la clé de tout à l'heure. Donc on passe. On passe. Vite fait le feu. Sur le live durant encore très longtemps. Globalement jusqu'à... Ça me sera utile un jour. Bon ouais, on va essayer de se taper Marie. Direction. Après. Je pense que je serais fatigué puis je pas très... Du coup, dans l'idée, là, on va essayer d'aller jusqu'au bout de cette run. Vraiment. Et puis, on fera d'autres trucs. Là, dans les cartons, ouais, il y a du... Du End of Fate. Peut-être que j'aime beaucoup, qu'on va refaire pour faire une émission en janvier. Une émission un peu philo, littéraire.
Qu'est-ce que ça peut nous évoquer avec quelles inspirations, quoi, genre de. Mais aussi le gameplay, tout ça, game design, genre de choses. On va essayer de faire des trucs un peu. Un peu ça. Janvier. Du coup, tant que faire, bah, je ferai le jeu en live. Live, j'aime beaucoup, beaucoup le jeu. J'ai un peu le même rapport au End of Fate qu'au Souls, je préfère le premier. Il y a un côté comme ça. Le 2 il est génial, en vrai le 2, End of Fate 2 il est incroyable. Incroyable. Trop bien. Mais j'ai juste, je suis juste en mode, ah l'ambiance est un peu moins pressante, un peu moins machin. Mais en vrai je pinaille de fou. Juste que je préfère le premier parce que... Le premier c'est tout genre. Mais le deuxième il est incroyable, les nouvelles mécaniques qui sont géniales. J'aime beaucoup faire là. Trop bien. Orange me harcèle là. Moi tranquille. Et qu'est-ce que je voulais faire? Si mission plaît, bon. Franchement, on en fera quelques autres et puis bon. Ça prend un peu. Ça prend pas et que ça prend vraiment trop de temps à faire. Ouais, ça se. On verra bien. Là on a pris End of Fate parce que c'est pas un jeu dans l'idée qui est genre vraiment un jeu connu mais c'est pas un jeu trop connu. Bonne commu dessus, il y a moyen de faire des gens sympas apprécier le la démarche. Si on prend un truc vraiment où il y a trop de gens qui ont déjà trop parlé du truc, tu vois. Pour 5 personnes qui vont apprécier le truc, il y a 15 000 autres qui vont nous tomber sur le paletot en mode. Non, en fait n'importe quoi, blablabla, ou je sais pas quoi. Et puis... Bon. Blanc de fou. Avant d'être clivant et de faire des trucs un peu. Essayons d'avoir un concept un peu sympa. On a le temps de. Développer dans notre coin avec peut-être 10 personnes qui vont voir le truc, on y retourne un peu ouais, ou pas trop, mais bon, moins il n'y en aura pas trop. Les émissions sur le truc un peu plus gros, un peu plus vénère, a fait la main et quand alors. Je pense que du coup ça sera en VOD. Bon, je vais faire un truc VOD là-dessus. Les listes comme XCOM là bien faite. La playlist. Bon le truc. Pour ceux que ça intéresse. Ce village au moulin.
vraiment l'enfer ce jeu. Rien qui va. Là qui est le... Il y a la chaise là. Et nickel, on a notre sort. Incroyable. Ok, on va aller jusqu'au bout. On va aller chercher le grain là-bas, chercher le... la map et tout. Et allez. Un peu long à chaque fois le démarrage des runs. Ouais bon. Bien, faut bien faire. Pour avoir deux setups. Je l'ai pas incroyable. Un truc dedans. Hein. J'ai vu récemment qu'il y avait un truc en mode. Des développeurs qui plaignent beaucoup leur salaire, je sais pas. Dans un sens, pas étonnant parce que bon, l'industrie quoi. Mais j'avoue, ça fait grand. Bah, j'ai pas eu le temps de lire tout l'article. Attendez, je le. Là, comme il faut. Ou. Les gens qui ont fait un truc pareil. Bon, je pense qu'ils méritent d'être payés parce que c'est un. Et justement. Genre. Dingue quoi. Le sentiment qui est le plus revenu autour de moi jeu là, c'est qu'en fait le jeu est tellement immense, tellement incroyable, tellement de choses que à un moment donné les gens ils en fait on finit par se sentir vraiment écrasé par le jeu, par le contenu, par tout ce qui est possible, tout ce qui est le jeu en fait. Je crois que le moment le plus mind blow, c'est où on découvre que non seulement bon il y a des édifices comme ça qui sont monumentaux, mais que il y a aussi des villes souterraines qui ont le même genre d'édifices, mais plus grand et plus incroyable, que la map elle est regorge de détails et de choses. Génial, le petit truc, 5 minutes, des trucs, faire des liens entre plein de choses. Génial quoi. Qu'est-ce qu'ils protègent déjà eux? Ah oui, une sorte de guerre perdue. Monstrueusement incroyable, gigantesque quoi. Pardon, mais c'est quoi la taille de ces trucs quoi? Bon, ça c'est un monde dans lequel il y a de la magie et tout machin, ok très bien, mais vous rendez compte du temps qu'il faut, de la puissance matériel, enfin des gens et tout.
Dingue. Après, faut se demander aussi combien de temps ça a demandé à toute cette armée de développeurs de faire un truc pareil. Génial, c'est incroyable. Après, pareil, genre, il aurait mis 2 ou 3 ans de plus. C'est pas grave, hein. Ça aurait tué personne. Ça, je veux dire, je pense que ça n'aurait tué personne de, d'attendre quelques de temps de plus et d'accepter que bon, les développeurs, il faut qu'ils aient le temps de vivre un minimum. On va pas pouvoir demander à des êtres humains de faire ça en deux. Au final, j'ai 6. Mais non, hein, genre. Peut-être pas mal là. Bon, on va refermer un peu, hein. Il faut de la vie. On va tuer Margit comme ça. Pas faisable. Bon, vraiment, ça va pas être faisable. Peut-être que seulement 2 fioles de mana, ça devrait être. Ah. Mais je pense que la. Enfin, moi, un truc qui m'a le plus marqué dans l'idée, c'est que je suis un grand fan de la série de Borderlands. J'adore. J'ai même acheté là, le. De plateau en février. Ok. Oh mais non. Mais. Pas grave. Et le petit dingue qui est passé de pas trop quoi. Passé devant moi. Voilà, en même temps, bon bref. Ouais, j'ai acheté le. Là et tout. Et vraiment, bah je. Truc. Bon après, on pourra dire c'est beau, c'est machin. Rien, je vois. Ayez votre avis, voilà, j'y vais. Mais moi j'aime beaucoup. Seul. Et j'avais pas envie de passer par l'Epic Game Store machin et tout. Mais bon, j'avais quand même décidé de le prendre vachement en avance parce que j'adore Borderlands 3. Enfin, j'adore Borderlands, du coup je dis Borderlands 3, vas-y. Les yeux fermés de toute façon parce que je sais que de toute façon le jeu je vais adorer. Et j'ai adoré, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il y avait un truc que je savais. Et en fait, il faut savoir que sur Borderlands 2, en gros, les développeurs de Gearbox, hein, ils ont un contrat un peu à la con. Un peu de la merde. Entre guillemets, parce que en gros, ils sont moins payés que tout le monde, enfin que tous les autres développeurs de leur région. Et, enfin, globalement. Pas du monde, mais pas de leur région, sont vachement sous-payés. Mais c'est parce qu'ils ont entre guillemets une clause débile, mais en gros l'idée c'est que c'est un peu pour les pousser à faire du bon travail et surtout les pousser au crunch et au burn-out et puis aux sessions de travail de bilan et je sais pas quoi, tu vois. En gros l'idée c'est que t'es moins payé en salaire normal tout le temps. Par contre sur tous les jeux que t'as aidé à faire tu vas toucher un petit bonus, un petit truc. Et du coup, si on écoule vraiment beaucoup de copies du jeu, bah du coup, tu vas avoir masse thunes. Et ça avait marché pour Borderlands 2. Borderlands 2, c'est bien vendu, il y a eu plein de DLC, plein de trucs, du coup. C'est vachement bien. Et en fait, au moment de Borderlands 2, les développeurs qui étaient là à ce moment-là ont pu acheter des maisons cash, en fait. Vraiment se dire, allez, vas-y, j'achète une baraque cash, et c'est passé, tu vois. C'était trop bien, et c'est trop cool. Étant au courant de cette information, je suis parti du principe que je voulais directement acheter plein pot, machin et tout. Que clairement, là, ça va clairement développeur, ça va pas une armée de petits spécialistes à la con. Machin, je me suis même fait chier à aller acheter le plus près possible, genre de 2K, machin. Bref, je me suis fait chier à fond. Tout ça pour qu'à la fin, bon, le monde étant stylé, hein, c'est même sacrément décevant et bien horrible. On apprenne que bah du coup le patron a globalement pas du tout respecté les contrats.
et que les développeurs n'ont pas été rémunérés au prorata, tout chose machin, parce qu'il y avait une. Enfin, j'ai pas tout suivi de l'histoire, mais il y avait une douille qui faisait qu'il avait la possibilité de pas les payer, quoi. Il l'a fait. Alors que Borderlands 3, il a cassé la baraque, hein, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'avis horribles sur Borderlands 3. En fait, les gens étaient en mode horreur, j'aime pas les dialogues, j'aime pas l'univers, machin, je sais pas quoi, je crois. Si t'avais joué au Borderlands 2 et Borderlands d'avant, quoi, globalement, tu savais à quoi t'attendre, hein. Y a pas grand chose qui a changé, j'ai envie de te dire. Mais du coup, ouais, l'horreur de ce truc. Les gens n'ont pas été payés comme il fallait. Genre du tout. C'est full arnaqué, full machin. Et bah dans l'histoire, moi un peu aussi. J'avais vraiment voulu dire allez vas-y, je vais vraiment bien payer le truc. Pour entre guillemets donner ma petite pierre à l'édifice d'aider au truc et puis faire quelque chose de bien. Dans l'idée ça reste une horreur aussi puisque c'est entretenir un mécanisme vraiment vicieux qui pousse au crunch, qui pousse en out, qui pousse le truc. Donc c'est pas vertueux non plus ce que je faisais dans l'idée, tu vois. Mais dans cette idée, au moins ça va contribuer au fait que bon ils auront pas sacrifié toutes les heures pour. Il y en a, ils ont carrément sacrifié leur vie de famille et tout, amené à des divorces et des trucs horribles. Toute cette histoire, c'est une horreur. Je trouve encore une fois que bon, le dépidisme. Que bah là, là clairement, bah. Enfin, dans le jeu vidéo, c'est que c'est vraiment une industrie où tu te rends compte vraiment que les travailleurs les plus exploités, super vénères et tout. Ils sont pas du tout payés au prorata de quoi que ce soit, de machin. Ils se font exploiter comme jamais pour des salaires de misère. Et c'est un enfer absolu. Hein. On peut parler de l'indé, tout ça, machin, mais quand on parle, enfin. Restons vraiment sur le 90% de l'industrie. Hein, les trucs que tout le monde achète. Rachetés par Jean-Michel Dormy. Et juste quelqu'un de base hein, qui prend pas le temps de jouer sur tout ça, qui hein, juste a envie de jouer à un jeu parce que bah, lui aussi se fait jouer dans sa vie, etc. À un moment donné, ces trucs là sont faits par d'autres gens qui sont exploités à la mort. Enfin, c'est pareil, moi je vois le même cynisme dans ce truc là que dans les plats préparés dégueulasses. Vraiment infâme. On va tous finir par manger à un moment donné parce que bah, en fait on n'a pas le temps parce qu'on travaille trop. Et que là bah en fait ma pause déj c'est moins d'une heure. Hein. On fait par des gens mal payés qui ont des pauses déj de 20 minutes. Et ainsi de suite, tu vois, genre c'était là en mode wow. Et là, en fait dans un délire où là en fait je suis en train de travailler pour donner des plats préparés dégueulasses à des gens qui travaillent dans les trucs qui veulent pas, qui sont sur le côté machin, pour qu'on puisse leur dire non mais si tu manges ce plat là, enfin des plats comme ça, tu vas pouvoir faire ta pause déj en moins d'une heure machin. Alors là d'un coup le mind blow est total. Ouais, est-ce qu'on a vraiment envie que ça se passe comme ça? Que c'est vraiment le genre. Le goal de l'humanité, c'était d'avoir plein d'humains exploités pour justement exploiter encore plus fort d'autres êtres humains, pour exploiter plus fort d'autres êtres humains, pour ainsi de suite, jusqu'à en fait qu'il y ait une poignée de gens qui en fait aient les fruits de tout ce travail-là sur les mains, quoi. Pas du tout les gens qui ont été exploités pour faire ce travail. Le délire est total, et encore on peut remonter vachement plus loin, parce que pour fabriquer l'usine dans laquelle on va fabriquer les trucs dégueulasses, les plats préparés dégueulasses pour les gens qui n'ont pas le temps de manger le midi, bah en fait la majorité de ces trucs là, ça vient en grosse partie de métaux qui viennent pas du pays dans lequel c'est fait et tout machin, donc regarde.
La boucle est infernale et quasiment infinie. Enfer quoi. Quand t'as vraiment l'impression que ça ne s'arrête jamais. Ouais, juste peu importe où tu vas regarder, c'est absolu. Rien ne s'arrête jamais. Non, les fioles. Bon, ouais, voilà, juste pour de réflexion. Pareil, je peux pas avoir juste la réflexion de base de dire oui, mais du coup, t'as pas prendre part au système et ça passera bien. Oh, mich-mich, problème, c'est le système. Participer ou pas. Deux secondes, petite pause. C'est bon? Ok, très bien, désolé. Un appel en plein live, ça arrive. Alors, on va essayer de finir Margit rapido. Enfin, on va essayer de faire Margit rapido et puis. Mais bref, ouais, voilà, ce truc de. Juste, on exploite des gens pour pouvoir exploiter d'autres un peu moins forts, pour pouvoir exploiter d'autres un peu moins forts, machin, et puis. Que tout le système finisse par tenir parce que les gens exploités à l'échelon de N-1 se disent qu'un jour ils pourront aller à l'échelon d'au-dessus et tout machin et de se dire que leur vie sera moins pénible et sera moins terrible. Il y a vraiment un côté dégueulasse. Quoi. Bon, il va falloir se concentrer un minimum parce que là. Là je me bouffe. Là je me bouffe. Wouah. Elle est où Thanos? Oh oui. C'est des vraies attaques. Par exemple combien de dégâts je fais. Hein, ça a l'air d'en faire assez. Là j'ai fait n'importe quoi de toute façon. Ouais, il essaie vraiment de partir. Essayer de fuir. Je comprends qu'il est en train de se faire avoir. Il fuit. Il est pas bête, hein. Il a dit. On comprend qu'on se fait avoir, effectivement, fuir n'est pas une mauvaise option. Juste un petit bout de dague là. C'est une dague rapide. C'est un enfer. Salut. Wow, deux secondes. Voilà. À regarder le chat, allez. Mais pourquoi je fais ça maintenant moi? Bon, ça passe. Ça passe. Wow. Deux secondes. Arrivé. Calme-toi.
Je vais pouvoir trop parler parce que là je suis un peu en petit boss. Avec un build à la con. Lex. Un foutu dague. Hein. Ah le petit Margit. Il va falloir que j'ai un pattern favorable pour pouvoir réactiver mon sort. J'essaie de le faire que la flamme pêcheresse, donc c'est un peu tendu. Lance tes dagues, hop, hop. Normalement j'ai le temps d'activer le sort. Je suis suffisamment lent pour qu'il déclenche pas le marteau. Le marteau il a deux possibilités quand il le fait. Pas la... Ah ouais, j'ai plus assez de vie de toute façon, je vais mourir. Je vais refaire un try. Mais j'ai pas pris le talisman. Mais quel con, j'ai oublié le talisman. C'est l'appel ça. J'ai eu un appel tout à l'heure. J'ai oublié le talisman. J'ai oublié d'aller le chercher et de le mettre. Évidemment, j'ai pas assez de vie derrière. Pas de problème. Bon, vas-y, tue-moi, Margit. Ah non, mais on est new game de base là. C'est classique. Classique, on est new game de base. J'ai juste décidé de m'entraîner à jouer bien esquiver et tout. Du coup, je me force à jouer Flamme Pêcheresse. Esquive. J'ai oublié. C'est vraiment un débile. D'aller prendre le talisman de ça qui permet de régénérer la vie un minimum. Parce que la Flamme Pêcheresse te brûle ta propre vie. Donc c'était un peu stupide de ma part. Le talisman, allez. Le talisman, mon dieu. Ah, je pense que tu parles d'NG+, parce que j'ai le truc de d'Aldrich, t'es un sort qui est pas normal. En fait, j'ai fait un... au tout début du live, j'ai fait un... J'ai utilisé un glitch. Pour atteindre, Lindell par ici, en fait. Tu peux à partir d'ici, tu vas au niveau de cet ascenseur, qui est là, et si tu gères bien avec la larme quoi, qui fait exploser, tu peux mettre dans la fiole de cellules miraculeux, et là jusqu'ici. Oh le con. Oh, le con. Il arrive juste ici. Bah, du coup, tu peux arriver à l'ascenseur en vie. Tu peux tomber de l'ascenseur en vie. Et du coup, tu peux te mettre bien. Oh, c'est bon, il dégage. Du coup, j'ai l'ascenseur qui est là. Alors que j'ai même pas vaincu Godric, j'ai pas vaincu Radan, j'ai pas vaincu personne. Oh, je suis re-téléporté. Bon, j'ai galéré genre une bonne demi-heure avant de réussir à tomber sans mourir. C'était incroyable. Mais c'est bon, maintenant j'ai mon sort, je suis content. J'ai le talisman, faut pas que j'oublie de le mettre. Pas très très con. Bah, sans talisman là, ça a failli passer, donc ça devrait passer en vrai. Uniquement ça devrait passer. Talisman, allez hop, bien. Et le talisman ça devrait être mieux. C'est bon, on a assez de fioles, on a assez de trucs. Normalement j'ai le temps. Temps, il saute. Nickel. Désolé, je vais pas trop pouvoir te répondre quand je suis en plein fight. Tendu. Parce que relâcher le débile des yeux, c'est quand même une assurance de se prendre une tige à la tête. Je donne des coups d'œil légers dans le chat, je vois que tu fais des trucs, mais. Je vais pas pouvoir répondre. Dès que je file un coup d'œil, là, je en prends une. Ok, faut que je bouge. Tac. Ok, toi. Saute. J'ai le temps. J'en prends une, mais c'est pas grave. J'ai le temps. L'idée c'est que ouais, justement là je vais essayer de faire full roulade
tranquille. Jeu. Là, je vais apprendre vraiment bien tous les timings de roulade de tous les boss. Manière très clean. Ah, c'est bon le petit marteau. Allez. Ok. Tape pas la portée, si. C'est pas de marteau, c'est bon. Le problème dans cette phase là, c'est que s'il me déclenche le marteau, je vais toujours me bouffer avec la fin du sort. Le vrai problème de ce build, c'est pas tant les dégâts que tu fais et le fait de devoir esquiver. Bon, au bout d'un moment, l'esquive, c'est bon, genre. Et le boss plein de fois, tu la maîtrises. Le problème, ça va devenir très fort. À quel moment je vais réactiver mon sort, parce que le sort n'est pas infini. Là, le but, c'est vraiment de fuir. Activer le sort. Ah, le coup là, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'esquiver. Cette espèce de danse des lames, là, ça va à peu près. Je vois à peu près le start, je vois à peu près la fin. Bien le marteau. J'aime bien quand il fait le marteau. Bon, j'aime pas tous les marteaux. On va avoir assez de vie en théorie. Ça, j'aime bien rester comme ça là. Non, là il est trop près de la porte, sinon on passe là. Oh. Oh non, faut que j'active mon sort. Oh chiant. Ah là je l'aurais pas. Fuir, faut fuir. Ah non, il fait le marteau. Faut fuir. On active le sort. Ok. Margit vaincu. Je try. Allez. En même temps, le premier, j'avais pas le talisman. Je suis vas-y. De quoi t'avais galéré, je comprends pas. Sur le boss ou quoi, sur la run? Bon, nickel. Argit est fait. On pourra mettre un autre truc et un autre chose. Enfin, je vais prendre des niveaux surtout. Je suis désolé, t'arrives à la fin du live. En fait, moi j'aime bien cette run, enfin ce truc, ce principe de run là, parce que du coup, justement, les sont vraiment bien. T'as pas le choix. C'est soit t'esquives bien, soit t'es mort. Donc, c'est juste le jeu, il te dit, bon, maintenant faut être bon, t'as plus le choix. Enfin, tu peux gagner, mais frère, par 6 mètres là, je vais pas t'aider. Du coup, je trouve que c'est pas mal pour vraiment s'améliorer de faire ça. Typiquement, je me suis rendu compte que, genre, Mogwin, je l'ai arnaqué tellement de fois, de tellement de façons différentes avec les summons et plein de trucs et plein de machins. Genre, il y a des attaques. Genre, déjà, je les avais jamais vues.
Et je suis incapable de les esquiver parce que bon, les timings sont diaboliques quoi. Je pense que Malenia ça va être le pire parce que Malenia, bon. Quand tu l'arnaques un peu, ça le fait quoi. Allemand, mais alors là je pense que je vais mettre bien 100 ou 200 try avant de vaincre Malenia de cette façon là. Ça va être sympa. Bon, malheureusement, c'est la fin du live donc moi je vais arrêter là-dessus. Et puis reprendrai alors si je live pas en fin de semaine de toute façon le lundi quoi qu'il arrive le lundi je live le matin le lundi je suis certain et puis au pire je fous toutes les VOD sur sur YouTube donc t'as envie de voir cette run là et c'est cool donc une bonne fin de journée à toi aussi je vais arrêter là. Et à la prochaine, hein, si jamais tu reviens. Salut.